Merci d'être présent dans ce webinaire qu'on fait dans le cadre de la Coaching Week, International Coaching Week de l'ICF pour 2022, dans le cadre de la promotion du métier de coach à travers les différents pays dans lesquels nous sommes présents. Et alors, dans ce webinaire, avec Mary Kennedy et les coachs de l'école Ericsson Coaching International, on a voulu vous faire découvrir de l'intérieur ce qu'est le coaching professionnel et en particulier le coaching ericksonien. Certains d'entre vous ont participé à l'initiation coaching ericksonien hier. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur du sujet, dans la démo. Et pour ça, on va faire un petit tour de présentation des coachs, bien sûr, vous puissiez faire connaissance avec eux. Et aussi, pour faire des démos, eh bien, on a besoin de volontaires. Alors, pour ceux qui le souhaitent, tester, expérimenter le coaching professionnel, tester le coaching ericksonien, vous pouvez vous porter volontaire pour faire des flash coaching ou pour faire la démo enregistrée. Et je vous invite pour cela peut-être à vous exprimer dans le mail, dans le chat, pardon. Dans le chat, alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Pas de son, pas d'image. Je vais essayer de régler mon problème de son. Mais vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. D'accord, il y a plusieurs personnes qui ont un problème de son. Je ne sais pas vous dire. Alors, pour quelque ça, fois, quelquefois en sortant et revenir permet de oui, voilà. Changer la donne. Merci. Effectivement, vous déconnectez, vous reconnectez, peut-être que ça peut changer les choses, ou sinon vérifiez bien le son sur votre PC. Alors, voilà, dites-moi si vous êtes volontaire, si vous êtes volontaire pour la démo enregistrée ou si vous êtes volontaire pour un flash coaching dans une salle qu'on va faire tout à l'heure, qui, ceux-là ne seront pas enregistrés, vous serez seul avec votre coach et ce ne sera pas enregistré. Donc, dites-moi, voilà, dans le chat. Ok, super, plein de volontaires, c'est génial. Alors, on a 10 coachs. Alors, si on a 77 volontaires, on ne pourra pas tous les faire. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire un maximum de flash coaching aujourd'hui. Ce qu'on vous propose pour démarrer, alors est-ce que Mary Kennedy est avec nous? Est-ce qu'elle a réussi à se connecter du coup? Je vérifie ça tout de suite. Tac, tac, tac. Je me mets une seconde. Je ne la vois pas. Bon, j'espère qu'elle va réussir à se connecter. Alors, d'abord, les coachs Ericsson certifiés par l'école vont se présenter. Donc, vous allez pouvoir faire leur connaissance. Donc là, c'est une photo voilà, d'un groupe de coachs diplômés. Donc, vous allez pouvoir faire leur connaissance. Et puis ensuite, ce sera à vous peut-être de vous présenter. Alors, très rapidement, parce que vous êtes très nombreux. Hein, on est 75 là sur la visioconférence. Donc, peut-être ceux qui veulent faire une démo, peut-être dire rapidement leur prénom et le sujet qu'ils veulent travailler en démonstration. En attendant, place au coach ericksonien pour se présenter. À vous les coachs. Il y a un ordre? Alors, c'est comme vous voulez. Je peux commencer. Vas-y, Anna. Alors, je m'appelle Anna, je suis dans la région bordelaise depuis 2 ans. J'ai un parcours dans des grandes entreprises à l'international, à des postes de communication et gestion de projet. Et je suis retournée à l'école en fait en 2016 et j'ai fait un master en organisation et RH. Et j'ai voulu vraiment accompagner les individus en dehors du cadre de travail. C'est là où j'ai fait mon parcours Ericsson l'année dernière. Et je suis en train de travailler maintenant avec des PME locales. Voilà. C'est tout pour moi. Ok, merci Anna. Qui veut prendre la suite hein, parmi les coachs? Je vais y aller, moi. Donc, vas-y. Moi, c'est Tatiana. Je suis responsable RH de métier et j'ai souhaité, donc, il y a quelques temps de ça, pouvoir me perfectionner dans l'accompagnement
des personnes parce que je suis profondément tournée vers autrui. Donc voilà, j'ai choisi l'école Erickson qui a été une révélation tant pour moi-même en tant que personne, mais en plus ça m'a d'autant plus convaincue que le coaching vraiment c'est quand on a la possibilité de pouvoir avoir recours à un coach forme en tout cas à l'école Erickson, c'est une grande, grande, grande opportunité pour avancer dans sa vie, pour grandir en tant que personne. Voilà. Donc, j'aurai le bonheur, si vous le souhaitez, de pouvoir vous accompagner sur un petit flash coaching, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Tatiana. Tatiana, elle a participé à une des dernières sessions de formation et c'est un grand plaisir de te voir aussi aujourd'hui, d'avoir vu ta progression depuis le début de la formation jusqu'à maintenant. Super, merci. Qui veut prendre la suite chez les coachs? Moi, peut-être. Ah oui? Ok. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là aujourd'hui et aussi de revoir notre formatrice aussi à Tatiana, on fait de la même promo. Moi, je suis dans la vie, je suis expert comptable. Voilà, et en France, je travaille avec des collègues pour des entreprises qui font des constructions industrielles, des contentieux, on rédige des rapports, ça n'a rien à voir avec le coach et le coaching. Et c'est un moment, je commence avec la routine, je commence à me questionner et je suis un peu perdue au moment dans la vision de vie. Et là, je suis rencontrée Erickson. Et c'est la même expérience que Tatiana qui vient de dire. Vraiment, c'est la formation qui m'apporte vraiment beaucoup de clarté sur ma vision et tout le futur. J'ai bénéficié beaucoup plus que vraiment un diplôme ou une carrière après. C'est vraiment tout d'abord ma vision de voir, ma façon de voir les choses. Ça a tout changé. Et donc, je vous souhaite tous là une belle rencontre. Et peut-être aussi pour vous, ça va vous faire la même expérience avec nous. Et pour le sujet des coachings, moi, je suis plutôt sensible dans le côté coaching de vie pour la créativité, pour surmonter des situations survenues dans notre vie quotidienne. Aussi, des vrais et créativité pour les artistes. J'ai accompagné pas mal d'étudiants. C'est par hasard. Pour leur rendu, leur concours, une séance de coaching, ça leur donne beaucoup de créativité et aussi de rencontrer votre conscience. Et merci. Je vous souhaite une très bonne séance avec notre formatrice et Mary et vous tous. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, qui veut prendre la suite parmi les coachs? Moi, je vais bien. Oui. Alors, vas-y, Isabelle. Je peux laisser ma place, hein, Edwige. Peu importe. Peu importe. Bon, allez, je démarre et je laisse la place après, alors. Donc, moi, je suis Isabelle. Donc, je suis coach certifiée aussi Erickson, une belle école, hein, où on découvre vraiment de superbes personnes et beaucoup d'échanges que j'ai beaucoup appréciés. Je suis dans la vie manager de santé hein, sur un CHU en France. Et donc, mon souhait en faisant cette école, c'est de trouver une autre forme d'accompagnement des professionnels qui me rapproche de mon cœur de métier. À la base, j'étais infirmière. Et donc, de retrouver un peu cette relation humaine avec les professionnels qu'on entoure. Et puis aussi de donner à l'équipe cadre que je supervise des outils différents finalement pour manager ce qui est impalpable, les ressentis et les émotions. Donc j'ai terminé mon école l'année dernière, je devais le commencer il y a 2 ans, mais avec la pandémie c'était un peu retardé pour moi, mais c'est vraiment une plus-value pour l'accompagnement des professionnels de santé et des cadres à qui je donne quelques outils. Justement, j'ai été faire une sensibilisation il n'y a pas très longtemps à l'école de cadre sur l'établissement où je suis et on sent qu'il y a beaucoup d'intérêt sur l'accompagnement avec cette méthode. Une méthode orientée solution qui permet de retrouver de la positivité, c'est ce que je suis venue chercher avec l'école Erickson et franchement, c'est ce que j'ai trouvé. Et donc là, en parallèle, je termine ma certification ICF. Voilà, l'oral est passé maintenant. Avec quasiment un cumul de 100 heures de coaching, ben voilà, j'y suis presque.
Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous et de pouvoir vous proposer des flash coaching pour ceux qui ont envie de découvrir cette méthode de l'intérieur qui est vraiment incroyable dans les résultats qu'on peut obtenir. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Isabelle. Qui veut prendre la suite parmi les coachs? Bonjour tout le monde, je m'appelle Vopen. Je suis d'origine indienne, canadienne et maintenant je suis française aussi. J'ai un parcours international. Depuis 2000, je travaille vraiment sur le développement personnel. J'ai fait un MBA. J'ai fait plusieurs burn-out, donc je sais comment ressusciter, de revivre après le burn-out. J'étais formatrice, je suis encore formatrice d'anglais. Et maintenant, j'ai aussi une équipe et on aimerait amener international, amener le dialogue dans les entreprises. Et c'est vraiment d'ouvrir la perspective. Parce que quand on fait un coaching, ça ouvre l'esprit et on peut trouver des solutions vous-même. C'est ça que me plaît beaucoup parce que c'est vraiment l'idée de empowerment. Et c'est vraiment parce qu'on sait que la coachee peut trouver la réponse avec les bonnes questions et la présence du coach. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Erickson. On a vraiment travaillé là-dessus. Et donc, je vous accueille pour le flash coaching dans les prochaines minutes, une heure et demie. Donc, merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup, Poupine. Alors, dans les coachs, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les coachs? Bonjour, je suis Tania. Je peux y aller? Super. Bonjour à tous. Je vous appelle d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Je suis française et je suis aussi diplômée coach Erickson. Et j'ai fait aussi la formation avec notamment Isabelle, Gemma et d'autres, Flavia. Et dans la vie, maintenant, je suis, ça y est, je suis coach, coach de vie, coach personnel. Et mes clients sont plutôt des gens qui sont, voilà, qui ont envie de s'épanouir dans leur nouveau pays quand ils sont en expatriation. Mais qui cherche aussi à passer un cap important dans leur vie. Et comme on sait, dans le coaching, les réponses, elles se trouvent vraiment au fond de vous-même. Et c'est ce qu'on va voir là avec ce petit flash coaching, ce petit avant-goût du coaching pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai toute ma vie travaillé dans le monde de l'édition. Donc complètement autre chose et c'est super cette reconversion. Et grâce à cette école ericksonienne magnifique. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Tania. Alors, quels sont les autres coachs? Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je veux bien prendre la suite de Tania. Vas-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Gemma Codina. Et donc, ça y est, je peux dire maintenant, je suis coach professionnelle et consultante en leadership et gestion des carrières. Donc, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans un grand groupe international en tant que manager d'équipe en France et à l'étranger. Je suis donc diplômée Erickson, accréditée ICF et aussi consultant certifié en bilan des compétences, entre autres. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui, voilà, de pouvoir contribuer avec mes collègues, vous faire découvrir, au mieux connaître ce que les coachings professionnels chez Erickson. Et si, bon, je pense qu'avec certains d'entre vous, j'étais intervenue hier, mais si à la fin de la session, vous avez
des questions, vous souhaitez avoir un petit peu mon avis, pourquoi j'ai choisi l'école, ce que ça m'a apporté, c'est sans fin, donc je pourrais ne pas m'arrêter. Donc, je vais laisser la parole et continuer. Et si à la fin, vous le souhaitez, voilà, on pourra revenir vers vous. Merci. Merci, Gemma. Alors, est-ce qu'on a d'autres coachs qui souhaitent faire des flash coaching et se présenter? Est-ce qu'on a fait le tour? C'est bon? Ok, très bien. Alors, peut-être que je vous propose maintenant, ceux qui veulent être volontaires pour un flash coaching, peut-être dire votre prénom et le sujet de coaching. Comme ça, moi, ça me permet aussi, côté technique, du coup, de faire les salles en sous-groupe pour vous répartir avec les coachs. Donc, qui veut exposer? Alors, le sujet, bien sûr, on est... Là, c'est enregistré, hein, donc ne rentrez pas dans la confidentialité de l'échange avec votre coach, avec le sujet que vous voulez partager là en session principale, puisque c'est enregistré. Quand vous serez en sous-groupe avec votre coach, vous serez en individuel avec votre coach, et là, bien sûr, il y a une règle de confidentialité absolue. Ce que vous dites à votre coach restera dans la confidentialité totale, ce n'est pas enregistré, les autres ne peuvent pas vous entendre et les coachs ne viendront pas nous rapporter ce que vous avez raconté dans la séance. En tout cas, peut-être ceux qui veulent être volontaires, donc nous dire votre prénom, volontaire soit pour un flash coaching en sous-groupe qui ne sera pas enregistré, soit pour la démo en grand groupe qui sera enregistrée, et puis juste une phrase pour dire sur quel sujet ça peut porter, hein, juste une petite phrase. Il y a des mains qui se lèvent. Alors, allez-y. On a beaucoup de mains. Alors, allez-y, Perle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je ne connais pas le coaching ericksonien. Je connais déjà le coaching que j'ai été accompagnée il y a quelques années. Je suis en ce moment en train de développer une activité. Je suis en période de test de cette activité dans l'accompagnement à la communication aux entrepreneurs. Et donc voilà, je me porte volontaire pour les deux types de formats, l'option 1 ou l'option 2. D'accord. Merci Perle. Dorothée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'interroge en fait sur une reconversion professionnelle autour du coaching. Et mon questionnement, vu que je viens, en fait, j'ai travaillé dans le privé, à l'international, après dans le public, hein, sur des gros postes de management et de négociation politique. Voilà, je suis un peu entre la prise de risque et la sécurité. Que choisir? Voilà, c'est un peu mon sujet. Et voilà, maintenant j'ai une contrainte horaire, je dois partir pour des raisons de santé à 13h45. Donc, si d'aventure c'est trop short, je passe mon tour et je le referai avec grand plaisir une autre fois. Voilà. Ce sera OK pour 13h45. Merci Dorothée. Alors, Martine. Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la continuité des sujets qu'on a déjà eus avec toi, Edwige, hier et aujourd'hui. Ça serait de débroussailler un petit peu pour me diriger vers quelle est ma cible. Et je veux bien le faire en live, il n'y a aucun problème. D'accord, en démo enregistré ou oui. En flash coaching? D'accord, ok, très bien, merci Martine. Alors, on a Nathalie. Oui. Ah, Nathalie pour le coup. Alors, j'ai Nathalie Bilan dans ma liste de mains levées. Oui. Les deux d'ailleurs, mais. Alors, ma question concerne faire des choix dans le cadre d'un changement global au niveau personnel et professionnel. Ok, très bien. Merci Nathalie. Merci. Alors, on a Fabienne. Oui. Oui, bonjour Fabienne. Voilà. Donc moi, je suis coach en développement personnel. Je suis basée en Belgique
Je voudrais développer un nouveau parcours d'accompagnement et j'aimerais discuter de la pertinence de ce sujet. Très bien, merci Fabienne. Alors, on a Chourouk Delphi. Oui, merci Edwidge. Donc, moi, je suis en reconversion et donc j'ai fait le pas, c'est bon, je suis en train de finir ma formation. Et j'aimerais bien, mon sujet, c'est le fait d'assumer la reconversion et d'assumer mon nouveau rôle. Je pense que tous les gens qui se reconvertissent ont ce petit problème, mais le fait de s'assumer en tant que coach, j'aime beaucoup ce que je fais, mais il y a un petit problème à l'intérieur pour assumer. Voilà. Ok, assumer cette reconversion. Très bien, merci Chouk. Alors, on a Agnès. Bonjour ou rebonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis dans un pied dans le domaine artistique littéraire, création littéraire et coach narratif en processus. Et j'aimerais dépasser un peu cette anxiété de parler en public ou en tout cas quand je sais qu'il y a plusieurs personnes derrière l'écran. Et j'aimerais dépasser un petit peu cette anxiété par la méthode de la visualisation. Vu que c'est un petit peu le processus ericksonien, ça m'intéresserait d'essayer en fait. D'accord, très bien, la visualisation ericksonienne. Oui. Ok, merci Agnès. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tac, 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 que je reprends, on a Anna. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, j'aimerais bien être accompagnée en flash coaching et le sujet concerne mon idéal professionnel. Donc, je suis coach certifiée, pas ericksonienne, mais certifiée quand même. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc, je suis là, hein, j'aimerais découvrir ce que c'est exactement. Et puis, voilà, je me sens un peu perdue là, dans ma transition pro, qui okay. est assez... Et voilà, j'aimerais un accompagnement pour me mettre en action. Très bien, merci Anna. Alors, on a Nathalie, l'autre Nathalie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'entame en fait le process de démission, de conversion. En fait, je rentre dans ce dispositif-là. Et donc, je suis en train de regarder notamment les écoles. Donc, j'en ai regardé quelques-unes. Et donc, là, je pense que c'est un peu par hasard. Et donc, du coup, je me suis dit, tant mieux, je vais découvrir un petit peu l'école ericksonienne. Et aussi, voilà, j'ai quelques questions par rapport au fait de paralyser à la fois la formation et peut-être démarrer la pratique en même temps. Donc, voilà, j'ai quelques questions en matière de comment ça se passe en fait concrètement, quelques questions concrètes par rapport à ce parcours avant même voilà, la certification et pendant la formation. Ok, très bien. Donc plutôt flash coaching. Plutôt flash coaching, ok, très bien, merci Nathalie. Alors, on a aussi Marie. Marie ? Vous n'avez pas votre micro, Marie. Ah, pardon, c'est vrai. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis un peu comme Agnès. Je suis un petit peu dans le doute. Je suis pas encore coach. J'ai fait beaucoup de PNL. Et puis, Ericsson, ça me parle aussi. Et je voulais savoir, je suis plus en fait sur le flash coaching aussi. Je suis un petit peu dans beaucoup de doutes par rapport à moi. Je sais que c'est ce qui me va le mieux, le coaching. Enfin, c'est ce que je veux faire. J'ai 30 ans d'hôtesse de l'air, pardon. Je vais peut-être commencer. Et en fait, je voudrais rester dans l'accompagnement. Parce que c'est hôtesse de l'air, c'est plus. Enfin, pour moi, ça ne correspond plus à de l'accompagnement. Je ne vis plus pareil. Et donc, voilà, je suis plus flash coaching. Ok, plutôt flash coaching pour Marie. Très bien, merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour les flash coaching ou est-ce que c'est bon? On a 10 personnes, du coup, Agnès, Anna, Nathalie, Chourouk, Fabienne, Perle, Dorothée, Martine et Marie.
Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, qui m'avait dit, qui est partante du coup pour la démonstration enregistrée? Je crois que c'était Martine. C'est ça, vous m'aviez dit que c'était OK pour vous? Oui, c'est ça, oui. OK, super. Alors, ce que je vous propose, effectivement, Martine et le groupe, on reste en salle principale et je vais prendre quelques secondes du coup pour créer les sous-groupes. Je vais mettre sur pause. Je vais pouvoir mettre sur pause l'enregistrement. Mais en tout cas, je vous mets en sous-groupe. Alors, donc les coachs. Alors, je vous demande juste une seconde, du coup, je crée les sous-groupes. Il faut être multitâche hein, quand on est coach digitalisé. Alors, Tania, Agnès, hop. Ensuite, Gemma avec Chourouk. OK. Ensuite, Tatiana avec Anna. Ensuite, Isabelle avec Nathalie. Ensuite, Anna avec Fabienne. Hop. Ensuite, on a Ping qui s'est déconnecté. Mince. Est-ce que tu es revenu? Voilà. Après, tu as deux mails. OK, ça marche. Donc, Ping avec Perle. OK. Roupine avec Dorothée. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai oublié des coachs? Est-ce qu'il y a d'autres coachs que je n'ai pas cités? Est-ce qu'il y a d'autres coachs que je n'ai pas cités? Non, c'est bon? Tout le monde est là? Alors, c'est parti. Hop. Comment? Je vais couper le micro. Comment? Je n'ai pas entendu. Pendant combien de temps les flash coaching? Alors, on va prendre 30 minutes, comme la démo fait 30 minutes et que du coup, Marie n'a pas pu réussir à se connecter à un souci technique, comme je suis toute seule à gérer les salles. Du coup, on va faire un coaching de 30 minutes. Voilà. Ça marche? Donc, il est 13h jusqu'à 13h30 et puis à 13h30, on pourra débriefer ensemble. Ça vous va les coachs? C'est parti. Impeccable. C'est parti. Bon coaching. Alors, normalement, vous pouvez rejoindre vos salles. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez me renvoyer le message? Excusez-moi parce que j'ai mal cliqué. C'est Dorothée, pardon. Moi, je ne sais pas. Là, je l'ai renvoyé, non? C'est Dorothée. D'accord, alors attends. Hop. Je ne suis pas en groupe non plus. Alors, Nathalie. Je vois pas Isabelle. C'est Isabelle, mon coach, je crois, vous avez dit. Alors, tac. Le problème, c'est que je suis doublement connectée parce que j'ai un problème de son sur mon PC et donc je suis avec mon téléphone aussi pour le son. C'est peut-être ça. Alors, attendez. Là, deux fois. Alors, donc, c'est Nathalie. Là, ça doit être bon. Vous avez dû recevoir l'invitation. C'est tout bon? Et là, c'est moi. Dorothée, je ne l'ai toujours pas reçu. Dorothée, vous ne l'avez pas reçu. Alors, Dorothée. Alors, est-ce que là, vous l'avez reçu? Non, je ne l'ai pas reçu. Peut-être sur activité ou quelque chose? Non.
Oui, cliquez peut-être sur le... Il y a un triangle, un carré et un rond sur la droite. Peut-être que c'est là où vous avez besoin. Question en petit groupe. Oui, ça doit être ça. Il doit y avoir une invitation à... Non, répartir les participants en groupe. Là, c'est pas moi qui ai la main là-dessus. Alors... Et puis, plus d'options. Signaler un problème. Écoutez, je ne vais pas vous mettre en retard, Edwige. Hein, non, non, mais je suis embêtée pour vous. J'essaye de vous remettre dedans, du coup. Ah, ça y est. C'est bon ? Bah, c'est parfait. Super. Excusez-moi. Oui ? Alors, là, c'est Delphine Berthet. Il faut aller dans un groupe, c'est ça ? Excusez-moi, en fait, moi, je suis au Brésil et il est 8h du matin. Pas de souci. J'ai un peu loupé le début. Pas de souci. Alors là, en fait, il y a des personnes qui sont parties en flash coaching. Et là, on va faire une démonstration de coaching en grand groupe. Voilà. Donc, démonstration de coaching en grand groupe. Excuse-moi, Edwige. Excuse-moi, pardon. En fait, Isabelle est déjà avec une autre Nathalie. Ah, ok. Alors, j'ai dû faire un petit couac de Nathalie. Ok, alors, tac, tac, tac. Ah oui, tous les groupes sont faits, effectivement, il y a deux Nathalie. Ce que je vous propose, c'est de passer sur un deuxième tour de flash coaching après, si ça vous va. Oui. Ok, c'est bon pour vous ? D'accord, vous participez. Voilà, à 13h30, on fera un deuxième tour. Ça vous va ? Super. Ok. Ça marche, super. Alors là, on va faire la démonstration en grand groupe, démonstration d'une séance de coaching, une vraie séance de coaching en 30 minutes en grand groupe. Donc, ce que je vous demanderai pendant la séance de coaching avec Martine, c'est de couper vos micros et vos caméras. C'est vraiment important, du coup, que ce soit silencieux au niveau sonore et visuel aussi pour être bien concentré avec Martine sur son coaching. Est-ce que Martine, vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Super, merci. Alors, comment ça va ? On entend les petits oiseaux chez vous, c'est très agréable. Oui, oui, je suis assise sur la terrasse. Enfin, je peux vous montrer un petit peu, je partage. Waouh ! C'est très vert. Très voilà. Sympa. Et il y a beaucoup d'oiseaux alentour. Et donc, je profite du beau temps pour aussi entendre les oiseaux. Voilà. Très bien. Ça me détend en même temps. Ben merci de nous faire profiter de cette ambiance très agréable qui va accompagner la séance de coaching. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de créer pour vous dans cette séance ? Alors, ce que j'aimerais, c'est donc juste pour poser la situation. Donc, je suis coach à 100%. J'ai très peu de clients. Je me retrouve un petit peu dans ce que vous avez dit ce matin, Edwige, quand vous avez démarré. Je propose tout, puisque je peux tout coacher. C'est un petit peu l'idée qu'on a du coaching quand on démarre. Parce qu'en fait, moi, je suis certifiée coach professionnelle depuis septembre l'année dernière. J'avais fait une première formation il y a 13 ans avec une école au Québec. Et là, cette fois-ci, je l'ai fait avec une autre école en Suisse. Et donc, je me suis installée très rapidement. Je suis maintenant installée depuis le mois de mars officiellement, mmh. avec un numéro SIRET. Et j'ai du mal à décoller. Alors, je communique beaucoup sur les réseaux. Et c'est vrai que je communique sur beaucoup de sujets. Je n'ai pas une cible particulière avec un sujet particulier. Je fais en fonction de ce que je ressens, en fait, de ce que je vis dans le quotidien. Et puis, si ça m'inspire, ben, je vais écrire là-dessus. Je n'ai pas fait de mailing, de digitalisation, etc., ce qui me simplifierait la vie, je dois l'avouer. Et j'ai très envie de faire ça. Et j'étais justement à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider à le mettre en place, mais aussi par rapport aux réseaux sociaux, pour que je sois plus visible. Parce que ce qui se passe, c'est que depuis le Covid, donc ça fait... Oui, ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis à la maison, que je suis déconnectée du monde entrepreneurial. J'étais salariée avant, je travaillais dans une entreprise de 80 000 employés et je travaillais avec le monde entier. Et du jour au lendemain, ben, j'avais plus de job, ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes pendant le Covid. Et donc, je suis revenue vers mes amours, qui était le coaching, parce que j'avais déjà fait ça il y a 13 ans.
Et je me suis dit, cette fois-ci, je ne me laisse pas démonter, je vais jusqu'au bout. Sauf que je me retrouve dans la même situation qu'il y a 13 ans. Je me retrouve chez moi, seule, isolée, le Covid en plus, et pas de connaissances suffisantes pour communiquer que j'existe et que je suis un bon coach et qu'on aurait besoin de moi pour faire moi. Donc, okay. Ouais. Alors, c'est chouette parce que je vis ma passion au quotidien, mais pro bono. Donc, c'est-à-dire que okay. Voilà, beaucoup de gens me sollicitent. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Alors, je leur explique, je leur fais une démo. Ah, mais c'est super. Mais après, il n'y a plus rien. Ils sont super contents parce qu'ils ont profité de la séance. Mais après, il n'y a plus rien. À partir du moment okay. où il faut monnayer, ça ne fonctionne plus. Alors, donc, de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui à travers cette séance de coaching? Avec quoi vous voulez repartir de cette séance? C'est rigolo parce que comme je présente les choses, moi, j'étais partie sur la cible. Et en fait, c'est qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire le pas vers le monnayage, peut-être. C'est ça un peu. Il y a peut-être quelque chose qui m'empêche d'aller vers ça, ou j'ai peut-être pas le bon dialogue ou la bonne communication. De toute façon, c'est lié, de toute façon, à la manière dont je communique. C'est aussi un petit peu pour ça que je m'intéresse beaucoup à tous ces canaux de communication et le marketing. Et ce serait peut-être plus essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à ça. Pourquoi j'arrive pas à faire le pas? Où les gens vont me dire, tiens, c'est tellement super que moi je veux bien prendre des séances chez toi. Ils le font pas. Hein. Ok. Donc comprendre ce qui se passe et comment ouais. faire le pas vers le monnayage. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi c'est important pour vous de comprendre ce qui se passe? Pour créer le changement en fait dans mon comportement. Créer le changement. Ouais, c'est ça. Pour vraiment aller vers l'action, pour qu'il y ait un changement par rapport à ça. La seule personne qui peut le créer, c'est moi. Donc, c'est vraiment ça. Créer le changement en moi. Savoir pourquoi ça ne fonctionne pas par rapport à moi. Ça me permettra de dire, c'est à cause de ce fonctionnement-là que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que j'en change. Et quelles sont mes options ensuite? Je parle un petit peu comme un coach, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment de comprendre. Le fait de comprendre, ce n'est pas toujours ce qui est important, mais là, dans ce cas de figure, c'est vraiment, si je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui bloque, je ne pourrais pas le changer. Donc, c'est déjà ça, c'est découvrir qu'est-ce qui fait que je ne vais pas plus loin. Ok. Et quand vous allez plus loin, justement, mm-hmm. au-delà de ce blocage, qu'est-ce que oui. ça change pour vous? Alors, si ça devait fonctionner, c'est ça votre question? Si jamais. Alors, si ça devait fonctionner, ce que ça changerait, c'est que je pourrais en vivre. Parce que pour le moment, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent qui rentre. Je vis un petit peu sur mes économies. J'investis beaucoup dans le coaching, justement, pour me donner la chance d'avancer. Donc, plutôt que de gagner quelque chose, j'en perds, on va dire. Ça va dans le sens inverse. Et je ne pourrais pas faire ça trop longtemps. À un moment donné, ça va coincer. Et c'est ce que j'ai fait il y a 13 ans. J'étais obligée de retourner dans le système salarial, ce que je veux absolument éviter aujourd'hui, parce que je veux vraiment vivre de ma passion. Ok, alors pour vivre de votre passion, ouais. quand vous réussissez à aller au-delà et que ça y est, vous avez créé le changement, vous êtes dans l'action, mm-hmm. et que ça change ce que... pour vous, c'est que vous pouvez en vivre vraiment. Alors, quand vous vivez de votre passion, vous réussissez à vivre, à faire vivre votre passion, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de vous? Ah, mais je m'illumine complètement. Mais c'est déjà le cas, en fait. Je suis complètement illuminée après chaque séance de coaching. Sauf que mon compte en banque, au lieu d'augmenter, il diminue. Donc, ce côté-là, je l'ai déjà parce que malgré le fait que je ne reçoive pas d'argent en échange, ce que je ressens en retour de la part de la personne, c'est tellement fort que je n'arrive pas à me dire non, laisse tomber, va travailler ailleurs, va gagner des sous. Parce que c'est vraiment ça. Je m'accroche parce que ça donne un sens à ma vie, en fait.
ça donne un vrai sens à ma vie. Alors, quand vous réussissez à, maintenant à monnayer ces séances de coaching, finalement, vous faites du pro bono, c'est génial, ça vous illumine, ça donne un sens à votre vie. Imaginez un instant que maintenant, vous réussissiez à monnayer vos séances de coaching, à facturer votre activité. Qu'est-ce que ça va changer pour vous à ce moment-là? Alors, par rapport à mon être, rien de plus. Ce serait plus, ça va me permettre de vivre confortablement. Ce que je souhaiterais, en fait, c'est de pas avoir peur chaque fin de mois, compter les derniers centimes d'euros qui me restent. Et je voudrais juste vivre, hein, comme j'ai toujours vécu avant en étant salariée, et pouvoir partir en vacances. Ça fait 3 ans que je ne suis pas partie. Aller au restaurant, des choses comme ça, quoi. Avoir un petit peu des moments de plaisir, mais pas uniquement dans mon travail, aussi avec mon entourage proche et mes amis. Quand vous n'avez plus cette peur à compter les centimes, qu'est-ce que vous avez à la place alors? De l'espace dans ma tête. De l'espace dans ma tête. Ouais. De l'espace. Oui. Et quand vous avez cet espace dans votre tête, à quoi est-ce que ça laisse la place, justement? À la créativité. La créativité. À l'écoute de mes proches. Parce qu'en fait, le stress que je ressens par rapport à ce côté financier qui manque, ça provoque dans mon entourage ceux qui sont proches de moi, justement les personnes qui sont là physiquement, ne profitent pas de qui je suis quand je suis coach, de mon être profond. Ils profitent de mon côté négatif, de mon stress, de mes inquiétudes, de mes angoisses, que ce soit mon mari ou mes enfants. Et je trouve ça dommage parce que ils n'ont pas à subir ça et j'arrive pas à le contrôler. Alors, comment est-ce que vous aimeriez que ça se transforme alors? En apaisement. Que je me sente apaisée, pas inquiète pour mon avenir. Parce qu'en fait, ça m'empêche aussi d'être plus rationnelle et analytique par rapport à mon métier. Tout ce que je dois mettre en place, tout ce que je dois faire, en fait quand je suis angoissée ça me glace et je suis pas capable de réfléchir et de faire quelque chose de créatif et de concret. Donc c'est un petit peu le hamster qui tourne dans sa roue en fait. Ok. Quand vous êtes angoissée, vous n'avez pas cet espace libre pour la créativité, pour être à l'écoute de vos proches. Ok. Alors, imaginez un instant, comme si vous aviez un écran blanc devant vous. Vous savez, un peu comme un écran de cinéma. Et sur cet écran, il y a peut-être un film qui va démarrer avec une première image. Ce film, c'est le film de Martine qui a réussi à aller au-delà, qui a réussi à comprendre pourquoi elle reste dans le pro bono et qui a réussi à monnayer ses coachings. Et grâce à ça, elle a cet espace libre qui laisse place à la créativité, à l'écoute de ses proches, une certaine forme d'apaisement. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est rigolo parce que je me vois sur la plage. Non, c'est une image, en fait. C'est une image de l'image... Okay. Je me sens libre en fait. Vous sentez libre? Ouais. Je me vois virevoltant sur la plage, voilà, légère, la légèreté, ouais, c'est un petit peu ça. Plein soleil, hein, je suis pas cachée derrière un palmier. J'ai vraiment l'ouverture, les bras ouverts, ou l'ouverture vers les autres, l'ouverture vers la nature, l'ouverture vers l'univers vers tout. Il n'y a pas de filtre en fait.
Ouais, c'est ça que je vois. D'ouverture, il n'y a pas de filtre. Ouais. Libre, légère. Ok. Imaginez un instant que vous pouvez, sauter dans cet écran pour prendre toute votre place. Faire comme si vous étiez sur cette plage, plein soleil, légère, libre, avec cette ouverture. Et quand vous êtes dans cet écran, sur cette plage, qu'est-ce qui attire votre attention ? L'horizon. L'horizon. Ouais. La grandeur de la nature, la connexion avec la nature. Connexion avec la nature. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous alors? Je suis seule en fait. Non. Je suis toute seule, hein. C'est incroyable. C'est un peu ce que je vis. Hein. Je suis toute seule. En fait, je crois que j'ai le sentiment que je me suis créée. J'ai le sentiment que je me suis créée ça à l'intérieur de moi pour me protéger. Pour me protéger de ce qui me fait souffrir, en fait, cette solitude. Alors, quand vous êtes sur cette plage, toute seule, avec cet horizon, cette connexion à la nature, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Mais que je suis bien. Je suis bien, mais je suis détachée de toute responsabilité aussi. Puisque je suis toute seule, je ne dois rien à personne. Et je profite simplement de ce que la nature m'a donné. Il y a un sentiment de bien-être, de justement de sérénité, d'apaisement, puisque tout ça, c'est facile, hein, c'est mon endroit où je suis protégée, où j'ai pas besoin de m'ennuyer quoi que ce soit finalement là, dans cet endroit-là. Je suis juste bien, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu. Il n'y a que des bonnes réponses. Oui. Alors, imaginez un instant. Vous savez, tout est possible dans une visualisation. Imaginez un instant qu'on fasse un peu comme avance rapide dans ce film, que le film démarre et puis les mois passent, les années passent. Et là, vous devenez Martine dans quelques années. Qui réussit à vivre confortablement de son activité de coach. Elle prend toujours autant de plaisir. Elle est toujours autant illuminée par ses coachings et passionnée. Et en plus, elle vit confortablement de son activité. Quel est le meilleur conseil qu'elle peut vous donner ? Difficile de répondre à cette question. J'ai du mal à me mettre dans la peau de celle qui vit de son activité. Très très dur ça. Alors si imaginons peut-être que cette personne finalement ce n'est pas vous mais un coach qui vous inspire et qui vit de son activité. Mm-hmm. Qui est-ce que vous pensez ? Ah ben là, je pense à Johan Van de Put, que j'ai vu il y a 2 jours, okay. Qui a fait une démo, qui a parlé d'un sujet intéressant. Son enfant intérieur, c'était intéressant. C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup.
par ce qui dégage, son énergie, sa bienveillance, on la ressent, ça transpire. Et je crois que ce qu'il me dirait, ce serait « aie confiance ». Aie confiance. Mmh. Et là, ça me fait… Pardon. Là, j'ai une grosse émotion qui vient. Là, je trouve ça tellement, c'est tellement beau là, ce « aie confiance » que j'ai pas envie de le casser. Okay. Mais ça me touche beaucoup. Pardon. J'ai pas le. Ce qui me vient à l'esprit là, c'est que. L'image que les gens ont de moi, c'est une femme forte, confiante, qui va de l'avant, qui a peur de rien, qui réussit. Et c'est vraiment les feedbacks que je reçois. Sauf que c'est pas ce que je vis. Et ça me rend triste à la fois pour moi-même, parce que je me dis, je déçois tous ces gens-là qui ont cette image de moi. Et j'aimerais tellement le vivre, ce qu'ils imaginent de moi. Et j'y arrive pas. Je vis de la déception, au final. Je suis déçue par moi, parce que j'ai réussi à accomplir jusque-là. J'arrive plus à voir le positif. Je sais que j'ai fait plein de belles choses. J'essaie de les souligner, je les écris. J'ai un livre où je note les belles choses. Tout ce qui est plaisant dans ma journée, comme les oiseaux qui chantent autour de moi. Mais ça suffit plus. J'ai vraiment besoin, je pense, d'être entourée. La solitude qui est venue dans ce film tout à l'heure, c'était quelque chose qui était marquant. Me voir toute seule sur cette plage, au départ, je trouvais ça plaisant, mais au final, en continuant à discuter, c'est là que je me suis rendu compte que oui, je suis toute seule. Et en fait, c'est cette solitude aussi. Sur les réseaux sociaux, on poste des choses, on met des vidéos, des photos, des messages, on répond à des gens. Moi, je le fais le plus sincèrement possible. Mais malgré tout, on ne sait pas ce que chacun vit de son côté. Et on donne une image de soi qui est fausse. Et peut-être qu'à cause de ça, les gens se disent « Ah, bah, elle vit bien, elle n'a pas besoin de nous. » quoi. Et en fait, j'ai besoin de tous ces gens-là. J'ai besoin qu'ils soient présents, j'ai besoin… J'ai besoin de communiquer avec eux, voilà. Et je ne sais pas comment faire pour leur dire. Je communique avec tout le monde en message privé, en disant « Ouais, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut faire une vidéo? Est-ce qu'on peut faire un tas de choses ?» Je propose des coachings pro bono pour rester à niveau. Mais voilà, ça avance pas plus que ça, quoi. Et peut-être parce que les gens ont cette image de moi, de femme forte qui réussit, qui avance, qui ne se pose pas de questions. Et je ne sais pas. Alors, vous avez parlé d'un besoin d'être entourée tout à l'heure. De quelle façon est-ce que vous aimeriez être entourée? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, j'ai des amis autour de moi qui sont présents. J'ai les gens que je sollicite, ils répondent à mes sollicitations. Donc je peux pas dire que ça manque, mais je pense que c'est le prorata du temps que je passe avec les gens et le temps où je suis seule, isolée chez moi qui est compliqué. C'est surtout ça.
Parce que là, quand je dis j'ai besoin de t'entourer, c'est mon enfant intérieur, hein. C'est la petite fille qui a besoin de ça. L'adulte a bien conscience que voilà, je peux passer mon temps à faire des choses, à mettre en place ma digitalisation avec Edwige. Ça me passera le temps et puis je serai entourée. c'est le côté émotionnel, analytique qui est en conflit là. Vous m'avez parlé d'un prorata finalement. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le prorata du temps que je passe seule qui est trop lourd par rapport au temps que je passe avec des gens. Je suis trop souvent seule. Et quand je suis entourée de ma famille, c'est pas du temps de qualité, ce que je disais tout à l'heure, c'est du stress qui est provoqué par mes inquiétudes et mes angoisses. Donc c'est pas marrant. Et donc du coup, ce qui est paradoxal, c'est qu'au final, j'ai envie de me retrouver seule, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils repartent travailler ou à l'école, quoi. Et c'est dommage, parce que je ne le gère plus, finalement. Alors, on arrive doucement vers la fin de cette séance. Quels ont été vos apprentissages à travers cette visualisation ? Vos découvertes, vos prises de conscience. Je ne sais pas gérer ma solitude. Je ne sais pas gérer ma solitude. J'ai toujours le sentiment d'avoir besoin d'avoir des gens autour de moi, alors qu'en fait, non, pas spécialement. Et que je devrais profiter de ce temps pour développer mon activité, pour pouvoir la monnayer finalement. En gros, c'est ça. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est l'impulsion. Parce que tant que je suis dans ce sentiment négatif de solitude, si j'en sors pas, j'arrive pas à rentrer dans le côté créatif. Et c'est là la problématique. Et je pense que c'est ça qu'il faut que je développe dans un deuxième temps. C'est ça qu'il faut développer dans un deuxième temps. Alors, qu'est-ce que vous décidez pour vous maintenant ? Je ne peux pas dire que je vais poser les actions et les mettre tout de suite et aller à l'ordinateur parce que je ressens encore ce frein. Il y a un gros, gros frein. Une lourdeur dans la poitrine. Ouais, je souffle. Vous voyez, c'est vrai. Je souffle. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de mettre à l'ordinateur. J'en ai ras-le-bol de l'ordinateur. Je veux voir des gens. Voir des gens. Alors, comment vous allez vous y prendre pour voir des gens? Ah ben, je fais déjà des choses. Justement, j'organise des rencontres. Je vais à la rencontre des gens. Je trouve sur les réseaux aussi des événements qui ont lieu. J'y vais. Je me déplace. Mais il y en a très peu aussi autour de moi. Suite au Covid, il y a beaucoup d'entreprises. Leurs employés travaillent chez eux. C'est un grand luxe qui se permettent actuellement. Donc, on ne peut plus aller à l'encontre des entreprises, parce que moi, j'aimerais bien travailler avec les entreprises. Et donc, je n'ai pas de solution, je ne sais pas trop. Je me cherche encore par rapport à ça. Donc, ma décision, c'est de me faire accompagner. J'ai besoin d'un accompagnement. Ça me permettra de ne pas me sentir seule, de me sentir entourée, épaulée dans ce que je fais. Mais je suis vraiment dans cette demande-là. Je suis pas, je crois que je ne saurais pas me satisfaire d'une formation en ligne parce que je peux en trouver plein sur le net, ce que je fais déjà. Je passe mon temps à regarder des vidéos, etc., pour apprendre des choses. J'ai beaucoup appris par moi-même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai quand même fait un bon bout de chemin et je peux être fière de ce que j'ai fait, mais je suis encore coincée. J'ai encore des blocages. Ce qui est un peu normal, hein. C'est mon chemin de vie, c'est le chemin de vie de tout le monde. Mais ça fait un petit peu souffrir quand même. Alors, être accompagné, vous sentir entouré, ça va vous permettre d'aller vers la voie du monnayage de votre activité. Oui, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi parce que j'ai toujours la difficulté de demander de l'aide. J'y vais de plus en plus, mais j'y vais encore... en me donnant des coups de pied aux fesses. Très bien. On arrive à la fin de cette séance, Martine. Merci beaucoup. Merci, Elise. Quels ont été les bénéfices pour vous de cette séance de coaching ?
Alors déjà, je me suis libérée de quelque chose de très profond qui m'a fait mal quand j'ai parlé de ma confiance en moi. Bon, encore une fois, j'ai parlé de la solitude et c'est marrant parce que je reviens toujours là-dessus. Je peux partir de n'importe quel sujet, c'est là-dessus que je reviens. Donc, ça me conforte aussi dans l'idée que il faut que je mette des choses en action pour sortir de ma solitude. Parce que la roue que je disais tout à l'heure, dans laquelle se trouve le hamster c'est moi, à un moment donné, il faut que l'adulte en moi prenne les choses en main et dise « bon, bah là, tu vas sortir de ta roue ». Et il faut que je pose une action pour commencer, pour pouvoir y aller. Et je pense que c'est aussi pour ça que je vais sincèrement mettre un slot dans votre calendrier. Oui, il faut vraiment que j'avance, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, mon mari, bien sûr, vient avec ses inquiétudes en disant « Oui, mais tu vas faire l'entonnoir. Tu as tellement à proposer. Mais moi, ça, on en discutera aussi. Parce que j'ai des freins externes aussi. Donc, voilà, c'est… Oui, vraiment, l'action, c'est quelque chose qui va engranger le reste. Et ça me conforte dans cette idée-là. L'action va engranger le reste. Oui. Voilà. Merci infiniment, Martine, pour ce partage. C'était… pour moi, une très belle séance. Merci de votre confiance pour avoir accepté de jouer le jeu. Et ô combien je me reconnais dans certaines choses que vous avez dites dans la session. Tout le monde vous voit comme une femme forte, indépendante. En fait, parfois, quand on est seul devant son écran, on se dit « mais je pédale dans la semoule, c'est pas possible ». Voilà, je comprends bien. Merci beaucoup pour votre authenticité et votre confiance. Merci à vous. Bon, chouette séance de démo. Je vois que les sous-groupes, les petits groupes sont revenus aussi. L'occasion pour tout le monde de reprendre un petit peu ses esprits. Vous avez des merci sur le chat, Martine. Alors, qui a envie de partager sur ce qu'il a vécu pendant son coaching avec un coach ericksonien, ce qu'il a découvert? Alors, sans rentrer dans la confidentialité hein, des échanges, puisque cette séance, je vous le rappelle, est enregistrée, mais simplement dire qu'est-ce qu'il a découvert à propos du coaching, à propos du coaching ericksonien, à propos de peut-être de voilà, comment fonctionne, qu'est-ce que ça fait d'être accompagné par un coach qui vous questionne avec des questions ouvertes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que ça fait de faire une visualisation positive où on se projette comme ça sur une plage toute seule? Alors, qui a envie de partager son expérience? Chourouk. Allez-y. Oui, alors moi j'ai passé une demi-heure extraordinaire avec Gemma. Et c'est fou, c'est simple, je vais aller m'inscrire tout de suite. Elle est quand même passée. Le résultat était incroyable. Je ne suis pas allée dans une plage paradisiaque, mais je suis rentrée à l'intérieur de moi-même, c'était mieux. Et c'est fabuleux parce qu'on est parti sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je ne pensais pas que je pouvais avancer comme ça rapidement dessus. Et le fait de travailler comme ça, en se concentrant, et vraiment, c'est très puissant. Moi, je trouve que c'est très, très puissant. Et je suis vraiment bluffée, franchement, je le dis à tout le monde, parce qu'on avance très vite, parce qu'on est à l'intérieur de soi-même, et c'est fabuleux. Je te remercie, Gemma. Vraiment. Gracias, gracias. Et j'en profiterai donc pour aller me renseigner sur... sur cette formation, parce que si ça a cet impact-là, moi, je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser. Et merci, Edwidge, d'avoir vraiment d'abord fait toutes ces sessions, ces deux jours, parce qu'on a appris beaucoup de choses, et en plus, de nous initier comme ça directement. Et je comprends maintenant quand tu dis il faut que le client sache de quoi il s'agit, parce que là, on est convaincu très rapidement. Et je comprends maintenant ce que tu dis. Voilà. Merci. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton retour très authentique aussi, hein, très joyeux. Mais effectivement, le coaching, c'est difficile à expliquer. Donc, c'est plus facile à vivre. Et c'est vrai que quand on est coach, bien souvent, lors de la première séance, ben, on fait vivre
une expérience de coaching, une première séance de coaching pour que le client puisse toucher du doigt tout ce que ça lui apporte finalement. Ça, c'est difficile à exprimer. Et quand on le vit, on a conscience de ce que ça provoque en nous de se poser la question pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça changerait si j'obtenais ce que je veux, quel impact ça peut avoir, comment je m'imagine et finalement de quoi j'ai besoin pour réussir à mettre en place tout ça. Et c'est tellement difficile, en tout cas pour moi, à expliquer que voilà, on organise aussi ces flash coaching pour vous faire toucher du doigt ce que c'est que le coaching, et en particulier le coaching ericksonien avec la puissance de la visualisation positive. Merci beaucoup pour ton partage. Je t'en prie. Qui d'autre a envie de partager sur son expérience ? Anna ? Alors oui, j'ai envie de partager l'expérience que j'ai vécue avec Tatiana, qui était super, enfin vraiment fou. Je ressors plus légère alors que je suis arrivée très très lourde. c'était super l'accompagnement, Tatiana. Pendant un moment, j'ai bloqué, j'ai pas su comment avancer, et elle a changé sa façon de faire. C'était super encadrant. Sécurisant, enfin vraiment j'ai beaucoup apprécié, merci Tatiana. Et puis elle m'a fait un retour aussi sur mon attitude, et c'est vrai que mon attitude, comment dire, elle était vraiment présente à mes réactions, et voilà, c'était génial. J'ai beaucoup apprécié. Donc, merci pour cette immersion dans le coaching ericksonien qui est très intéressante. Super, merci beaucoup Anna pour ton retour. On se tutoie très rapidement chez Ericsson, alors ça m'arrive de tutoyer. Ok, super. Merci aussi à Anna pour ce coaching, c'était un super moment pour moi. Je vais devoir vous quitter parce que j'enchaîne sur une autre réunion. Merci beaucoup Tatiana, merci infiniment. Pour ce super moment de coaching et ce moment de partage où ça fait du bien de retrouver un peu la communauté, de pouvoir faire découvrir et partager le coaching ericksonien. Merci beaucoup Tatiana. À bientôt, c'était un plaisir de te voir. Super. Ok, qui d'autre a envie de partager ce qu'il a vécu, Perle? Oui. Oh pardon, ouais. Petit souci de caméra, excusez-moi. Allez-y. Je dois faire très vite parce que je dois aussi vous quitter. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai fait une petite séance avec Ling et en fait, avec Ping, pardon. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est je suis venue avec une problématique et cette technique-là a permis très en douceur de prendre conscience qu'en fait, la problématique, elle se situe ailleurs. Et ce que je note vraiment, c'est la manière dont ça se fait très en douceur. Et j'ai pris le temps avant de lever la main parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça m'a fait ? En fait, j'étais un peu pas très au clair. J'ai pas vécu ce qu'ont vécu Anna et je crois que c'était Tofui, pardon, je me souviens pas de son prénom. Pas quelque chose d'aussi aussi clair, aussi joyeux, mais mine de rien, en sortant de là, il y a un constat qui est clair, c'est que Ping m'a très en douceur permis de prendre conscience que ma problématique, elle est un peu ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, je suis déjà plus au clair là-dessus. Donc, c'est hyper bénéfique pour ça aussi. Merci. Super, Ping. Merci beaucoup pour ton partage. Et au revoir et merci, pardon, un grand merci Edwige, j'ai suivi plusieurs de tes ateliers ces deux derniers jours. Donc voilà, bonne continuation à tout le monde. Merci beaucoup, Père. Effectivement, une séance de coaching, ça peut aussi faire prendre conscience qu'il y a une problématique encore plus importante derrière la problématique qu'on amène en coaching, et de se dire, ah, ok, oui, alors si je reprends l'exemple de Martine, bon, j'aimerais travailler sur ma cible, communiquer, et puis au fil de la séance, voilà, on prend conscience petit à petit qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus important, qui est encore plus sensible finalement, et que c'est ça la vraie problématique. Et quand cette vraie problématique sera résolue, bah après, ça coulera tout seul. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Effectivement, c'est de la prise de conscience. Voilà, un bon coach vous fait avoir des prises de conscience qui vous font évoluer, qui vous font progresser au fil des séances. Qui d'autre a envie de partager ?
Oui, allez-y, Agnès. Vous n'avez pas votre micro. Oui, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Je suis déjà quelqu'un qui est très visuel et donc j'ai vraiment embarqué avec le mot québécois, embarqué dans le processus et ça m'a beaucoup aidé. Moi, je cherchais plus une technique pour mieux gérer mon stress en lien avec la parole en public et ça m'a aidé rapidement à cerner un petit peu la problématique et à trouver cet outil en fait qui va mettre. Et c'est vraiment, bien sûr, je sais que c'est moi qui cherche mes solutions, mais c'est vraiment un outil qui est concret, qui va m'être utile quand la prochaine fois que je vais me présenter devant plusieurs personnes. Donc, je trouve ça vraiment bien. Oui, vraiment. Ok, J'ai fait super. l'accompagnement avec Lania aussi, donc c'était facile. Ok, très bien. Merci beaucoup Agnès pour votre partage. Qui d'autre a envie de partager? Qui d'autre est en coaching? Est-ce que Fabienne, Dorothée, Nathalie, Marie ont envie de partager ou pas? Vous n'êtes pas obligés, hein, c'est voilà, proposition. Ok, les coachs, est-ce que vous avez envie de partager et faire un petit retour d'expérience sur ce flash coaching, sur ce que vous avez vécu avec vos clients du jour? Moi, je veux bien Ok. parler, Edwige. Je vais remettre ma Oui, caméra. vas-y. Parce que bon, c'est quand même plus Vas-y. sympa avec la caméra. Ouais. Voilà, juste pour. C'était vraiment un plaisir. En fin de compte, ce n'était même plus un flash coaching, c'était un vrai coaching. Hein. 30 Un vrai minutes, coaching, c'est d'accord. un vrai de vrai. Et c'était très agréable de le faire dans cette version-là pour faire découvrir. Et une fois de plus, on sent l'utilité encore. De ce mode d'accompagnement. C'est formidable. Donc, c'était un bon moment aussi pour moi, partagé forcément avec Nathalie, mais c'était vraiment sympa. Donc, je suis preneuse pour une prochaine session comme ça. C'est cool. Ah bah avec plaisir, c'est vrai que si ça plaît, on peut en faire régulièrement, effectivement, c'est chouette. Hein. C'est la meilleure façon de faire découvrir ce qu'est le coaching finalement, que de le tester, de le vivre soi-même. Ah, tout à fait. Et bien souvent, je ne sais pas si tu te rappelles, Isabelle ou Tania, Tatiana, hein, quand on est en formation de coaching, quand on est formateur, parfois on rigole un petit peu quand même, avec beaucoup de bienveillance, mais parfois on amène un outil, on explique le processus de l'outil. On fait la démo, puis on voit certains élèves qui sont comme ouais, on verra bien. Et puis après, ils partent en pratique, c'est-à-dire qu'ils vont pratiquer une fois coach, une fois coaché, une fois observateur. Et là, ils reviennent en disant, oh, bah alors là, je pensais que c'était un outil bateau et franchement, c'est génial. Et ça, c'est super parce que nous, on le sait en tant que formateurs que ce sont des outils géniaux. Et c'est drôle quand on voit voilà, les participants qui se disent ouais, bon, ça n'a pas l'air de casser des briques. Et puis quand ils le pratiquent, en fait, le fait de vivre une séance de coaching, c'est ça qui est d'autant plus fort. Oui, Martine? Oui, j'avais une question par rapport Oui. à votre façon de coacher, donc avec la Oui. visualisation, mais est-ce qu'il y a d'autres outils ou c'est tout est basé autour de la visualisation dans la méthode ericksonienne? Alors, dans la méthode ericksonienne, il y a beaucoup d'outils qui sont. Alors, il y a beaucoup d'outils, tout simplement. Il y a des outils qui sont pour le coach autour de la posture, de l'écoute, du langage, de la compréhension des métaprogrammes du client et de ses modes de fonctionnement. Il y a des outils pour le client qui sont des petits outils qu'on utilise, voilà, de temps à autre dans la séance. Des systèmes de questionnement, c'est des outils comme la baguette magique, des changements de point de vue, etc. Il y a aussi des processus qui sont comme des processus PNL adaptés au coaching. Donc là, ça fait toute une séance, c'est-à-dire un gros processus d'outils pour travailler, par exemple, sur des peurs profondes ou pour travailler sur l'accompagnement d'un projet ou des choses comme ça. Et puis, la visualisation, ça fait partie des outils qui vient booster un peu l'effet du coaching. Donc là, on était essentiellement dans de la visualisation positive dans notre séance.
Et j'ai utilisé des outils comme le changement de point de vue, le déplacement dans le temps. Aller voir un petit peu plus tard, voilà, quelques années plus tard, si. Alors parfois ça marche pas, et c'est OK, hein, c'est comme ça le coaching. On essaye voir ce qui parle au client, ce qui ne lui parle pas. Vous avez eu des difficultés à vous projeter plus tard et c'est OK, il n'y a aucun souci avec ça. C'est ce que je vous disais, il n'y a que des bonnes réponses en coaching. Il y a des bonnes questions, il y a des bonnes réponses. Alors, j'ai utilisé le déplacement dans le temps. J'ai utilisé le changement de position perceptuelle quand je vous ai invité à penser à quelqu'un qui vous inspire et d'imaginer le conseil qu'il pourrait vous donner. Donc, on a utilisé bien sûr la visualisation, la baguette magique en faisant comme si on pouvait être téléporté sur cette plage. Donc, c'est différents types d'outils en fait qu'on mêle. Donc, dans la formation Erickson, on vous apprend la posture de coach. Donc, en quoi, quand on est coach, on n'est pas un formateur, un conseiller, mais on est dans cette posture ouverte avec le questionnement ouvert. On vous apprend tous les outils, les processus, les métaprogrammes pour bien comprendre ce qui se passe pour le client. Quel type d'outils utiliser en fonction de la problématique du client. Et puis, la deuxième partie de la formation pour être coach diplômé et certifié, on est vraiment, on passe de la science du coaching à l'art du coaching. Et l'art du coaching, c'est quand on arrive à sortir d'un processus établi et qu'on est complètement dans le flow avec son client et qu'on va aller chercher des bouts d'outils en fonction de ce dont a besoin notre client au moment où il en a besoin. Pour du coup créer des prises de conscience et faire des belles séances de coaching. Je rajouterais, Edwige, des belles transformations. Je n'ai jamais vu, comme je disais à Isabelle, bravo Isabelle, une séance de coaching sans une transformation. Voilà, même là, j'ai eu un grand plaisir de coacher Agnès. Voilà, on ne se connaît pas et en quelques minutes, on arrive à créer un lien où le coach est sans aucun jugement, dans l'écoute, c'est même pas 100%, c'est 200%. Et c'est grâce justement à cette magnifique formation où on a beaucoup de pratique aussi. Donc, c'est pas que de la théorie, beaucoup, beaucoup de pratique. Merci Tania. Ping, tu voulais intervenir ? J'ai eu la même question qui vient de Berle, qui m'a questionné, est-ce que c'est dans la façon de coaching et c'est toujours par la visualisation, en fait, j'ai donné la même retour. C'est vrai qu'on a l'impression, en fait, il y a beaucoup d'autres outils qui est dans nos pratiques, on voit où ça passe tout rapide, où ça traverse dans tous les sens. Et notre réaction, c'est vraiment selon la seconde, le client qui réagit, ses réponses, ses sensations, et on vient faire des responses, en fait. C'est pas, il y a rien qui est écrit ou qui est prévu. C'est l'aventure totale et j'adore cette façon de travailler et des rencontres avec les gens. Et je dois partir comme Tatiana. Je remercie Elie, j'ai Mary et tous les autres coachs et tous les autres participants. Merci beaucoup. Je pense que c'est là vraiment une très belle rencontre. Rien que vous allez prendre la formation ou continuer de regarder qu'est-ce que c'est ou observer. En tout cas, c'est une opportunité magnifique pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ping. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour avoir joué le jeu de la démo, Martine, et du flash coaching. Martine, je te laisse me confirmer hein, dans le chat ou de vive voix si tu souhaites, tu es toujours d'accord pour l'enregistrement, qu'on puisse le conserver. Et tu as tout à fait le droit de me dire finalement non, parce que c'est difficile pour moi et je préfère qu'on supprime l'enregistrement. Et c'est OK pour nous, d'accord ? C'est le jeu de la démo. C'est que on a votre accord au début de la démo, mais on vérifie aussi que vous êtes toujours d'accord à la fin de la démo, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans une séance de coaching. Alors, je vous laisse prendre le temps s'il vous faut et puis voilà, me confirmer ou pas qu'on conserve l'enregistrement. Okay. Moi, je pense qu'il faut le conserver absolument parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une belle session de coaching. Et voilà, je pense que les belles sessions de coaching, il faut les conserver. je me suis dévoilée, mais c'est un peu le but du jeu. Le coaching, c'est ça. Et puis, ça m'a permis aussi de montrer qui je suis, en fait. Montrer ma vraie facette, mon vrai moi profond, intérieur, voilà. Donc, je l'ai partagé à tout le monde et ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Edwige, pour cette opportunité.
Merci Martine. Alors, Eric, oui. Est-ce qu'on pourrait l'avoir comment ça se passe pour les replays? Parce que du coup, ils vont peut-être arriver après tous. Alors, les replays, je vais les envoyer d'ici ce soir. Je vous les envoie par mail. Voilà. Je vous envoie les replays avec les slides. Et puis ensuite, pour l'école Erickson Coaching, c'est Mary Kennedy qui est votre contact. Alors, je vous ai mis tout à l'heure son mail dans le chat. Je vous le mets aussi à l'écran. Donc, Mary Kennedy, c'est la coordinatrice de l'école en France, qui est la Regional Manager pour la France et qui s'organise d'organiser les sessions de formation online et sur site en France, qui du coup peut vous renseigner sur l'école et puis vous aider aussi pour répondre à toutes vos questions et organiser la formation. Des petites infos, alors je vous donnerai toutes ces coordonnées, c'est dans les slides et puis vous les aurez aussi dans le mail avec le replay. Petites infos sur les compétences les plus recherchées entre 2000 et jusqu'à 2025 en coaching professionnel. Ça vous donne quelques idées de niche finalement de coaching. Donc là, d'après les employeurs, l'importance relative des groupes de compétences évolue au profit de certaines valeurs. Donc, on voit ici que ce qui est en hausse au niveau des sujets de coaching, c'est développer l'esprit critique et la capacité d'analyse. Résolution des problèmes, autogestion, travail en équipe. Donc, ça vous donne une idée des sujets travaillés en coaching. Gestion d'activité, communication, utilisation, amélioration des technologies, savoir élémentaire et aptitudes physiques. Donc, on voit ce qui évolue au niveau des sujets de coaching. Il y avait aussi un élément sur les niches de coaching. Je ne sais plus où c'est. Nous sommes les femmes, nous sommes du coup sur ce slide les formatrices pour l'école Erickson Coaching International francophone en France, donc Moira Saul et Magdalena Gieck, qui sont deux formatrices qui ont plus de 10 ans d'expérience dans l'école, qui forment en français et en anglais, et qui sont au niveau MCC maintenant, toutes les deux. Moi, je suis formatrice depuis 3 ans dans l'école, et puis on a Gabi et Sophie qui sont des Canadiennes francophones et anglophones qui forment aussi sur les sessions online. Là, vous avez quelques images de la communauté en France. Donc, c'est une communauté bien illuminée. c'est une formation qui nous fait planer et dans laquelle, Alors, ici, Moira, la formatrice, ici, Mary Kennedy, la coordinatrice pour la France. Qui est-ce qu'on a d'autre? Magdalena ici, Magdalena Gieck. Qu'on voit ici avec Mary Kennedy. Un bel exemple de communauté. Donc, il y a deux parcours dans l'école. Le parcours, c'est la première partie du parcours, comme je vous l'expliquais, c'est l'apprentissage de la posture de coach et des outils du coaching. Donc, c'est ce qu'on appelle la science du coaching qui vous permet d'aller décrocher la certification ACC de l'ICF. Et puis, la deuxième partie du cursus, ça vous permet de vous professionnaliser, de développer votre expertise dans l'art du coaching ericksonien et d'être diplômé de l'école et de pouvoir décrocher la certification PCC en étant accompagné aussi à travers du mentoring par les formateurs et mentors de l'école. Donc pour plus d'informations en détail sur ces formations, je vous invite à contacter Mary Kennedy via le site web Erickson Coaching International France. Donc, les formations sur site, alors elles ont lieu, il y a quelques sessions qui ont lieu à Lyon, il y a beaucoup de sessions qui ont lieu à Paris aussi, dans le 6e arrondissement, avec toujours des espaces agréables. C'est des photos qui vous montrent un petit peu l'esprit des formations en ligne aussi, en ligne, on voit Moira avec ses dessins en paperboard, Magda avec son mandala derrière, et moi avec mon PC, je suis digitale, Donc là, les prochaines dates. Prochaine date à Paris, la prochaine session de formation démarre à Paris le 22 septembre. C'est toujours du jeudi au dimanche, 4 modules de 4 jours. Et puis, en ligne, ça démarre le 5 septembre 2022 en ligne. On est sur les lundis et mercredis soirs à partir de 18h sur 4 semaines. Tout ça, vous pourrez avoir des informations plus détaillées si vous le...
si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le mail de Mary dans le chat. Vous pouvez la contacter par mail. mary@erickson.edu. Voilà. Et puis, elle a un calendrier sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous directement pour prendre rendez-vous par téléphone avec elle. Voilà, super. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu des flash coaching. Merci infiniment, Martine, d'avoir joué le jeu de la démo de coaching enregistrée. C'était vraiment une séance très authentique. Merci beaucoup, les coachs ericksoniens. Vous êtes toujours extraordinaires et j'adore vous revoir. Alors, à très bientôt. On vous envoie le replay, les slides. Et puis, on vous tiendra bien sûr informé des prochains événements pour ICF et pour l'école Erickson internationale. Merci à tous et à très bientôt. Merci Edwige. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était super. Merci. Bye. Bravo. Merci. Bonne fin de semaine.